Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre sur Chanel Panou. Entendez causer aujourd'hui à nous porter une grosse information pour nous. C'est concernant dossier la mort Jovenel Moïse là. Juge qui a instruit dossier ça, qui est le Gary Aurélien, parlé. Et il parle tout concernant l'effort qu'il a fait pour retirer dans le dossier Jovenel Moïse là. Mes amis, il parle en pile. Causer ou pas saisir tendez qui ça dit. Enfin comme d'habitude, nous toujours prenons temps pour nous remercier nous toutes qui toujours regardent vidéo nous yo, qui toujours prend temps pour nous like, pour nous partager vidéo nous yo. Merci pour ça. Si c'est première fois ou tombez sur channel ça, pas négliger abonner. Mes amis, on nous commencer ensemble avec gros sujet que nous gagnons pour aujourd'hui. Juge Gary Aurélien que Pierre Espérance acquise comme qualité prend plusieurs milliers de dollars dans mes moun yo façon pour capable blanchir yo dans dossier Jovenel Moïse là. Eh bien, il t'a parlé dans micro Wendy Fell donc sous chaîne Unison 1 donc il t'a parlé. Mes amis, m'a invité nous écouter Gary Aurélien qui t'a répondre question Wendy. On nous écouter mes amis. Juge Gary Aurélien Koumouye, avec un peu de plaisir, n'a recevra une émission ça aujourd'hui. Et je crois que fanatique, vous êtes content d'en d'or. Et je pense que vous pourrez répondre des questions que nous avons pour nous poser. Je pense que vous pourrez dire nous des vérités sur ça qu'a dit. Bonsoir, juge Gary Aurélien. Tous les auditeurs, vous avez soif de vous, vous avez soif de saluer tout. Mon ami, avec tout le respect que je gagne pour la corporation, ainsi que les membres du corps, et les membres du corps du CSPJ, moi, je voulais dire la vérité aujourd'hui. Moi, j'ai un pire retenu par rapport à la loi qui fait obligation pour que moi, pas étalé sous scène publique, traité en tant que magistrat. Mais honneur et honneur famille attaqué nous dit que il est temps et son être. Nous n'avons aucun problème avec quelques citoyens qui ont un intérêt quelconque, inavouable. Mais cependant, honneur au magistrat, dans tous les pays du monde, l'irrité en bagaille sacré. Et c'est pour ça, jodi, hein, nous prenons courage nous à deux bras. Et nous devons la nation, et nous devons le monde entier, pour nous dire honnêtement, Gary Aurélien a un parcours dans le système judiciaire là, qui est irréprochable jusqu'à cette minute. Avec un pile émotion, avec un pile consternation. Nous voyons que, y a un individu, monter au créneau pour souhaiter saler l'image. Nous faisons trois juridictions pour nous dire mieux, nous faisons trois départements lorsque nous avons occupé poste de substitut commissaire du gouvernement et commissaire du gouvernement AI dans l'appareil judiciaire. Ça. Nous passons un temps pour que nous avons exercé profession avocat. Et nous devons prendre courage nous à demain pour que nous t'intégrer magistrature là. Et jusqu'à présent, nous étions avec honneur nous. Nous étions avec fierté nous. Nous étions avec sentiment nous. Nous étions avec nous-mêmes, nous égal à nous. Je dis à nous trouver que c'est inconcevable. Pour que yon moun ta gagné yon bagay pour le dire, li ta wè que c'est sous magistrat Gary Aurélien pour le dire. Nous regrettons ça. Et n'a profité pour nous couper nous très bas devant association magistrat noir, association tout greffier, huissier, qui connaît personnalité ça. Ici, au monde, qui gagne jusqu'à présent, colonne vertébrale, les droits. Nous regrettons ça. Je dis à nous trouver face à une situation que personne ne peut pas accepter. Très bien. Très bien, magistrat Aurélien. Nous prenons qui tout parler. Mais bien avant nous entrer dans le dossier, ça, comment ou te recevoir
et appel ça droit tribunal première instance pour le président t'es fait avec ou pour te venir traiter dossier Jovenel Moïse là. Là, on considère qu'un pile monde qui dit ou son juge qui pas expérience, etc. C'est premier gros dossier où tu après le recevoir. Et là, on garde contexte là. Contexte là, c'est que yo assassiné président Jovenel Moïse, doyen relé plusieurs juges ou bien checké plusieurs juges, tout nèg yo refusé prend dossier. Et puis ou même ou pral prend dossier, ou pral dit bon, moi même m'a prend dossier ça et m'praler juste kobo. Qui ça pousse au prend dossier ça magistrat Aurélien. Ou permet que mon ami frère que nous pas fait une interview grande. Un gros bouton ton interview parce que moi gagné restriction que la loi fait moi pour que moi pas expliquer sur les réseaux sociaux ni dans les journaux ni quelque part d'autre pour que dossier m'a traité à moi traité avec sérénité. D'accord. Moi te prends dossier ça, pour qui ça? Parce que moi c'est un haïtien. Non seulement c'est un haïtien, c'est un magistrat haïtien. Je dis que c'est inconcevable pour que en dans système non pour yo pas joindre un magistrat de courage par faute de peur, insécurité de toutes sortes pour que yo même yo ta fouré koyo pour prendre un dossier comme ça. Moi dis que moi même m'apprendre pour la simple bonne raison nous condamner ça qui fait là dans toute intégralité là. Donc nous prenons pour nous dire que on fois et cite là pour que l'international là ouais gagner un travail qu'a fait gagner justice en Haïti. Moi prendre avec en pile détermination que tout proche me connaît. Et tout le monde t'a dit ça, yo t'a dit yo. C'est pas vraiment intéressé. Mais cependant, moi j'étais convaincu que dossier ça, libre aller jusqu'au bout et la vérité a sorti sous. Très bien, magistrat. Où dis-nous là que où t'es prend dossier ou accepté Jean Yoba ou là malgré tout risque et ou commencer mener enquête là avant hier ou bien semaine qui s'est passé là ou font demande de prorogation ou mandé pour doyen barou quelques mois et parce que ou voulez aller jusqu'au bout et ou voulez bien faire travail que vous avez fait doyen li refusé catégoriquement projet délai pour vous. Et dans pile moun, la presse qui t'a écrit que, comme si ou pas nan dossier encore. Et j'en parle là, ou dit son dossier, comme si ou ap mené jusqu'au bout. Qui avenir ou nan dossier ça, le considéré, doyen qui t'a fait sauter dans la presse, li parle, etc. Est-ce que ça veut dire, j'en parle à dossier, à l'istil toujours nan mon? Absolument. J'ai un dossier pour traiter. Écoutez, mon doyen, en tant qu'administrateur, la loi fait obligation pour que moi informe doyen moi le moi arrivé dans une échéance qui va finir dans le traitement en dossier. Ce que moi-même moi j'ai fait. Échéance va arriver en décembre. Moi écrit doyen moi maître Bernard Séville pour moi informer que vu ampleur dossier a vu mode audition que n'a fait yo moun yo a voyé dans plusieurs autres circuits donc audition en vin amplifier chaque jour. Et nous avons des gens qui sont en prison que nous pouvons attendre. Faute de moyens, il n'y a pas d'avocat.
ce que nous fait, entre parenthèses, nous toujours fait bagaille administrativement. Nous t'es écrit ministre, nous, ministre de la justice là, pour nous faire part de questions hein, que et difficultés qui gagnent pour que nous auditionner Colombien yo qui en prison. Mm-hmm. Donc ça y est passé. Parce que nous pas rentrer directement dans détail administratif qui fait en dans dossier. Ce que doyen en dit a, bon nous-mêmes nous dit que n'a fait et on réponse avec doyen hein, pour nous dire exactement ça que la loi dit. Mm-hmm. Doyen cite deux articles. Il prend décret et article 97 du décret du 22 août 1995. Mm-hmm. Sur l'organisation judiciaire qui fait de lui un administrateur. Nous, est-ce que ça fait écho dans la presse? Et ça n'aura aucune incidence sur le dossier. Écho, la presse n'a pas campé dossier pour ça. Okay. L'idée est parler de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1979, modifiant le chapitre 4. De la loi du 5 décembre 1979, stipule le juge instructeur saisi d'une affaire à un délai de 2 mois pour emmener l'instruction et communiquer les pièces de l'information au ministère public et un délai de 2 mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture, ce sous peine de prise à partie. Doyen pas qu'à citer article là? Pour la simple bonne raison qu'il n'est pas parti. Mm-hmm. Il n'est pas parti. C'est seul parti, y'a. Seul parti intéressé, y'a, capable de faire. Ça y aurait les, y'ont pris à partie contre magistrat. Bah, on est si doyen son pris à partie qu'il fait contre moi. Mais il va faire. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous détenteurs de dossier pour que nous continuions à traiter dossier convenablement. D'accord. Est-ce que par exemple des articles tout dans le code d'instruction criminelle non qui baille possibilité à ce juge là pour demander des prolongations si toutefois il estimé et li pas qu'au prêt pour le rendre ordonnance li dans délai que la loi mandé là. Absolument. C'est ça que nous faisons. Nous aller suivant la loi, nous dit doyen que, vu que dossier a gagné en pile, bagay la dan, donc, mais ça la loi dit. Ok, juge Aurélien. Nous qu'à comprendre ça, et qu'en pile moun qui est intelligent, qui comprenne position doyen exprimé, exprimé par rapport à une série de scandales, une série de gros rumeurs qui a couru sous là, qui a couru sous Griffio Élisée Cadet. Avant nous arriver là, est-ce que ou même, juge Aurélien, ou estimez on a mes consciences que jusqu'à maintenant, dossier ça ou a bien traité. Mon frère, jusqu'à présent, j'ai dit haut et fort, dossier ça m'a traité là, non seulement m'a bien traité, et m'a fait un record là-dedans. Songez que, m'a dit que, doyen, bon, mon dossier là, alors, il prend ordonnance le 23 août. 2021. Mm-hmm. 23 août, moi pas en Haïti. OK. C'est le rentrer, moi viens prendre dossier. Ça veut dire prendre dossier en octobre. Qui nom, ça veut dire prendre dossier en octobre. Moi prendre dossier en septembre. Moi commence travail en octobre. OK. Ou bien j'ai pas ça sur mes yeux. Est-ce que premier acte moi fait pas faire li dans zone 25 ou 26 septembre? Ou première semaine octobre. Donc voilà. Ça veut dire ou gagne exactement 3 mois là, hein, et de manière effective depuis mener enquête sur dossier ça. Absolument. Quand est que pas gagne bureau. Gagne des bagages administratifs que moi-même c'est le moi vient dossier, il y a fait.
Ça veut dire rentrer dans les détails, nous pas dériver là. Mais jusqu'à présent, frère, n'a traité dossier avec âme et conscience. Ou parler d'un bagage important là. Mais je dis toujours le principe, la justice ne vit pas de scandale. Mm-hmm. Une fois que nous avons un organisme droits humains, nous avons sorti un rapport sur un greffier qui n'a pas lui-même. Vous mettez avec comme fait. Nous avons vu sous ça, juste là. Ok. Donc, moi j'ai fait, ça la loi permet, moi j'ai fait. Donc, d'après vous-même, moi bien mené dossier là, sans être exhaustif, juge Aurélien, est-ce qu'on a ben nous quelques actes que ou réalisés dans le cadre d'instruction dossier assassinat président Jovenel Moïse là? Non, malheureusement, mm-hmm. malheureusement, nous pas capable faire ça, nous pas capable étaler mm-hmm. et dossier que n'a prêté à mm-hmm. et sur la place publique. Ok. Nous pas capable faire ça. Ok. Très bien, juge Aurélien. Gagnez des demandes d'extradition qui faites et gagnez d'autres demandes d'extradition qui supposées faites. Ma pose en question ça, c'est parce que ça, moi, potel nan kem, dossier extradition ça, parce que estimez que demande d'extradition qui faites yo, déjà, yo très très mal faites. Et même poser des questions. Pour me dire, moi, est-ce que yo pas exclu? Est-ce que politique là pas exclu dans cadre démarche qu'a fait pour mander pour le pays yo voyer des moun qui gagne aussi dans dossier ça vini dans pays d'Haïti? Parce que moi crois que son professionnel courrier, son professionnel du toit, son magistrat, on croit qu'on demande d'extradition son bagage qu'on capable rédiger très bien, juge Aurélien. Parce que moi me recevoir des documents que nèg yo voyer bail des pays étrangers comme étant demande d'extradition m'a posé tête moi question. Est-ce que ça, est-ce que ou lio, est-ce que ouais, est-ce que yo exclu dans demande d'extradition qu'a fait, ou bien c'est ou même qui fait ça, magistrat Aurélien? Mon ami frère, on nous ouais que nous pas rentrer dans le fond du dossier, mm-hmm. parce que on connaît que la loi pas permet que me parler de mm-hmm. de action qui fait dans dossier que moi-même m'a prêté. Ok, bon, ok, très bien, donc, nous comprenons ça. Et même parler ouais, n'a parlé là, donc. Moi, dit que me devais porter une demande mm-hmm. formelle. Bon, ok magistrat Aurélien. Aux allégations. Mm-hmm. D'accord avec vous. Mais maintenant, je ne veux pas rentrer dans le détail dans la question du dossier. Ouais, okay? Justement, me comprendre nous pas qu'à entrer dans le fond du dossier. Ok, on entre dans ce scandale-là maintenant. C'est ça qui plus intéresse nous. Et c'est ça que nous avons obtenu pour être capable d'attendre qu'il soit prêt à le dire non. Non, rapport que RNDDH a publié le 6 janvier 2022, l'y dénoncer menace et tentative d'extorsion cap fait sous des moun qui gen noyo cité dans dossier. NDDH pour me citer dit comme ça, au lieu pour mener enquête ça pour laquelle vous avez été désigné ou même magistrat Aurélien avec Greffio Élisée Cadet, eh ben, n'a intimidé et n'a menacé, n'a fait gros menace sous des mouns qui indexé nan dossier ça pour nous capable à un moment donné, comme si recevoir des avantages nommés mouns ça. Li cité le cas de RJ Renteka, entreprise ça, c'est lui-même qui était loué. Monsieur Machine qui était utilisé pour tal touye président Jovenel Moïse là. Par exemple, il cité Oli Damus qui s'est copropriété et RJ Renteka et qui dit il était un mandat d'elle, il apprend dans radio que ou émettre un mandat d'amener contre lui ou mettre interdiction de départ contre lui etc. Il fait qu'on est le même jour, il contacter avocat li pour capable comprendre qui ça a passé et puis c'est comme ça avocat yo te contacte. Le 8 décembre 2021, RNDDH toujours fait connaître que gagnon nan avocat yo qui t'a contacté greffier là, Élisée Cadet, et monsieur Cadet t'a sollicité une rencontre avec entreprise RJ Renteka là, et le lendemain, soit le 9 décembre 2021, Élisée Cadet
t'es allé dans entreprise là, li t'es rencontré responsable, t'es rencontré Olydamus, et là arrivé dans entreprise là, le fait qu'on est c'est ou même magistrat Gary Aurélien qui t'es voyé et qui ça t'a demandé, li t'a demandé machine etc. et RNDDH cité des messages WhatsApp pour comprendre côté greffier a bail qui type de machine que le besoin qui le besoin machine non et si on pas bal machine non eh ben il y a pas arrêté li etc. et si le bail machine nous capable annuler mandat nous capable annuler interdiction de départ contre li tout bagaille ça au magistrat Aurélien c'est dignité, c'est honneur comme juge qui en jeu. Kounia là, c'est première fois parler de dossier ça. Qui sort connaît de ça? Ou sort commencer expliquer nous qui décision côté prend contre Greffio là. On allait expliquer nous partie ça. Ou va excuser moi frère pour que on pas rentrer dans le fond. OK. M'a dit 1 2 3 4. Et qui ça qui fait et qui ça nous mandé. OK. N'a position juge là. Le juge instructeur Gary Aurélien sur les allégations diffamatoires de monsieur Pierre Espérance le directeur de RNDDH Sport à son encontre est diffusé à travers la presse dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse qu'il est en train d'instruire. Le juge et le juge instructeur Gary Aurélien reprouvent avec la plus grande rigueur les allégations mensongères et diffamatoires. Juge Aurélien, en bon créole, ou fait qu'on est ou rejeter ça, ou voyez bah ils rejetent. Je rêvais demain. Nous t'arrêter pour peuple à comprendre parce que l'on parle français, okay, donc frère, le peuple là capable comprendre. Moi rejeter ça. Je rêvais demain. OK. Toute allégation mensongère, ça, yo, que M. Pierre Espérance fait, et il dit, noir sur blanc, dans tous les médias, il gagne des preuves, il gagne des mounes, que qui contactent, qui viennent dans le bureau, qui dit que yo viennent dans le bureau, magistrat Gary Aurélien. Li ba yo Cob, li ba M. Cob, pour que monsieur fasse des actions pour lui, soit pour annuler mandat pour lui, soit pour voyer moun vin côté que moun sa yo présenté côté yo écrit yo relé CSPJ. Nous dit que l'éclair en Haïti c'est un bon matin. Yon moun monté en radio, li prend un téléphone, li relé, li salé image yon personnage public. C'est seul en Haïti ou Karvin ça. Et nous dit clair, bagay ça, nous pas quitter sale image nous, image famille nous, image zami nous, qui aprele nous partout dans le monde. Parce que c'est là, nous de l'école Haïti, là. Ça veut dire tout zami, camarades de promotion, j'ai mis l'école classique, professionnelle. M'a dit nous que nous comptons personnage qui est Gary Aurélien. Moi, dit que moi-même, pas gagné un monde qui est capable d'oser dire un bagage comme ça de loin, voir mon encampé pour le dire de près, que mon ça a venu avec des bagages qui sont extrêmement clairs, montrer que Gary Aurélien, participer non acte de corruption, li vini avec un monde qui dit que li longe comme bagarre Aurélien pour faire un bagarre pour lui en don dossier. Je mets en défi à quel que soit monde de horizon qu'il est. Très bien. Juge Aurélien, ou dis-nous là que bagaille ça, li pas prêt comme ça, dossier pression qu'a fait pour jouer une machine, et Griffio dit c'est ou même qui voyait, etc. C'est ça Pierre Espérance dit. Pierre Espérance fait qu'on est, hein,
chaque monde qui attend dans dossier ça presque c'est environ $50,000 américains que recevoir dans mayo li fait connait et que ou te recevoir l'argent pour te annuler mandat que ou te lancer des Paul Denis ou recevoir 2 millions goudes on prend pour te capable et parler avec conseiller de l'autre monde pour être capable tendre conseiller de l'autre monde liciter non ancien directeur général police là li parler de policiers ça justement que ou libéré il y a quelques semaines li fait connaître quête famille policiers ça au talé fait pour être capable bon $25,000 américains c'est des bagages qui extrêmement difficile à croire et il y va de votre honneur juge Gary Aurélien pour tout le monde cap tando là lors dit bagages ça pas prêté comme ça est-ce que déjà ou c'est jugeouillé ou qu'on ça la loi dit dans question ça et surtout ou son magistrat. Donc c'est encore pire, c'est pas son simple citoyen que Pierre Espérance dit parole ça. Est-ce que déjà ou intenté yon action en justice contre Pierre Espérance juge Aurélien? En tant que magistrat, m'pa autorisé pour que mal rentré et ni fait action en dedans la justice encore pour yon individu qui parlait de un magistrat. Seulement nous voulons mettre monsieur en défi pour le prouver, ça le dire. Maintenant, sous question, greffier, là. Bon. Il dit que la responsabilité pénale est personnelle. Mm-hmm. Une fois que vous avez ça, moi-même, moi fais action nécessaire, là. Moi fais acte nécessaire, là. Moi écris doyen. Moi mandé doyen, pas maintenant, pour que l'y mette en l'autre greffier à disposition, moi. Parce que, nous pas capable quitter que le vrai que le pas vrai. Nous pas capable quitter la justice dans la rue comme ça. Puisque il y a un organe qui est responsable de discipline, greffier et juge. Pour qui ça? C'est pas instant ça yo qui rive mener enquête pour yo effectivement côté parole ça ressorti, côté action ça ressorti. Eh bien, c'est clair. Pour que moi-même, je me sanctionne greffier. En attendant que la justice traite question, ministre justice là, traite question avec greffier Ali Weli, avec greffier. Et puis moi-même, c'est SPJ, je vais me tendre sur question ça, pour me connaître que de quoi il en est. Parce que, même John Bagay, et acte faire juridique et administratif, tout acte là, mais moi écrit doyen pour que mandat ça pour mettre dossier pour mettre greffier à l'écart pour moi pour bon mon autre greffier et puis à aucun moment de la durée greffier a pas dit bagarre comme ça et pas t'a osé dire un bagarre comme ça parce que moi même pas jamais rencontrer bon avec monde pas jamais fait ça m'pas jamais fait bagarre comme ça mais non ah. Mm-hmm. Écoutez, oui. Bagaille, alors pour M. Pierre Espérance, ça moi-même, m'en été convaincu. Non, m'd'après le jour, hier matin, sous Magic 9, Pierre Espérance dit comme ça, greffier a rencontré le greffier à l'imbureau et greffier a avoué justement en série de bagailles. Ah, donc là, mais écoutez, mais greffier n'est pas mouru, il est là. Hein? M'bavle ça. Et pas quitter moun prend nous dans ça grand public ça captain de là pas quitter moun fait nous ça moun yo là yo pas mourir hein moun yo là yo encore vivant attention et c'est pas permis pour que moi dit des bagailles avancées pour que question dossier là mais maman a dit que administrativement moi de faire exactement ça la loi te permet que me faire donc me faire sanctionner et moi rester absolument pour moi même moi sanctionner pour cabinet pas moi. De même, m'attendre que yo mettez on notre greffier à disposition pour que moi continue le travail. Maintenant, pour rien, pour question Pierre Espérance, parce que Pierre Espérance fait des actes administratifs tout, lui écrit, ok? Lui écrit des mondes. Lui écrit instance qui est responsable, moi, qui vous sanctionne maintenant. Lui écrit. Mais s'il écrit, bah, quoi, il n'y a pas encore, non? Pierre Espérance. A vini avec, donné en main, voyez, et tout moun yo a capable de camper, garder dans la figure.
Tade monsieur dans les yeux pour dire est-ce que vous avez un personnage ça? Est-ce que vous avez un personnage ça déjà? Si ce n'est pas dans la prison, je m'attends de m'en croire qu'on aime. Parce que, je vous dis, si on me passe maintenant, je ne passe pas trois mois de qu'on aime. Si ce n'est pas devant mon vini. Mais ça veut dire que ça veut dire magistrat. Je n'ai jamais osé dire un bagage comme ça pour m'envoyer un nègre, pour m'envoyer un monde. Moi, mettre mandat et moi, mettre mon jucus. Et yo-même, yo connaît pertinemment que mandat ça, que c'est sous fiel, moi, parce que mon qui a fait moi, yo connaît ça. Avocat, yo connaît ça. Zami, yo connaît ça. Et moun qui a fait ça, ni connaît ça. Yo connaît ça, c'est mes amis. Comme dans ma gueule. Public a pas connaît, grand public a pas connaît. Mais moi-même, moun qui connaît, connaît que lorsque je prends une décision et me prend avec toutes conséquences que je gagne. Décision, ça me prend de dire que je ne peux pas retirer le mandat. Ça. Et pas gagner qu'à faire retirer. Avocat, s'il est sérieux, s'il a personnalité, s'il a colonne vertébrale, c'est pour venir pour dire que l'œil te vient dans le bureau pour te dire que ça mène monsieur, moi-même, monsieur. À aucun moment, on va mener monsieur, moi-même. La police a mené le moi-même. M'attendez-le. S'il parle dans la prison, parle dans la prison. Il pral la kali, pral la kali. Et c'est qu'on s'en dit à tout le monde qui compte ça. Et ça veut dire que jusqu'à maintenant, citoyen ça a un mandat d'elle, et juge Gagné. Absolument! Le mandat est debout et reste demain ce mandat-là. Point! Ok. Est-ce qu'on pensait honnêteté ou sévérité ou probablement li dérangeait une série de monde dans le pays qui contrôle le système ça parce que c'est des monde qui gagnent, etc. Y a pas qu'à gagner contrôle. Est-ce qu'on pensait ça li capable déranger notamment Pierre Espérance avec un série de l'autre nègre jusqu'à ce que comme si il y a des trous comme ça selon ça son dit nous là son politique de destruction n'est pas mené contre nous parce que nous ou pratiquement par contre ça que n'est pas raconté son lynchage politique même et monsieur ça le fait pour ville monsieur ça le fait moi-même je dis que c'en est trop et il est temps à ce que moun pa nan voye monter dans la radio. Mon et je suis dans une des exemple et juge Aurélien, on soit dit le talent. Mon ami frère, mon ami frère, dit qu'on s'en tant que juge comme si on est gap des trous là dans la radio, fait diffamation sur ou pas ka al traduit devant la justice. Mais qui côté ça a écrit juge Gage Aurélien ou sûr de son dia ou sûr ou pas ka tra son exemple ou pas ka mener Pierre Espérance à justice pour le démontrer ça. Mon ami, pour aider pays à dans son sens, tout le monde ouais peut-être mon ami, on nous quitte le dossier. Mon frère, on nous quitte le dossier avancé parce que lui écrit organe qui responsable moyen et nous pas camper interview à la FM parce que connait qu'il pas aller plus loin, il pas prendre interview plus longue, trop longue. Et seulement développer porter démenti à, nous devons porter un démenti formel. Et ceci nous vote-t-il, nous dit que et c'est seul monsieur capable venir avec Poivio, effectivement. Et moi, je dis, monsieur, que la vie avec Poivio, et nous, côté que nous coupables, et nous tiré la révérence. Très bien. Merci infiniment, juge Aurélien, parce que vous avez accepté. Et dis-nous deux, trois mots. Comme vous dit dossier li style hérité dans mon, c'est ou même qui a instruit lui malgré doyen et mando hein même tap tande doyen doyen même mando pour ballon ordonnance de saisissement juge Aurélien. Non, il va dire ça. Hein? Non, mais dans l'interview, il fait qu'on est l'apton aux ordonnances de saisissement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il dit que et si ma première dossier, je connais que pour me balayer avec une ordonnance de décision. Non, il n'est pas dit que pour me porter dossier. Et lui-même, il n'est pas mandé un dossier. Les populations en clair, c'est ça. Il n'est pas mandé un dossier. Il seulement fait, on remarque que, il estime que la loi dit ça. Et texte de loi, au moins, il dit ça déjà. Il n'est pas qu'à. Texte de loi, c'est pas ça, il dit. Donc, texte de loi, il était évoqué là, seulement. Ça, on pas d'accord avec lui. C'est que je l'ai évoqué, lui, seulement parti, yo. Qui a fait action ça, qui a fait yon action, yo, elle est prise à partie contre juge là. Mais, si yon dossier, pas bien mené.
Mais sans décision administrative ça qui pour sans décision administrative ça qui pour bon prorogation commandée, est-ce que tout acte d'enquête ou t'a fait là dans le futur dans les jours à venir, est-ce que c'est pas des bagailles cap nul et non avenues? Non, ça n'a rien à voir, hein. OK, pas bon texte qui dit doyen capable de dire oui ou non, d'accord. Et pourquoi et ça me fait là mettre là. C'est parce que moi, si on respecte de la loi, oui. Dans le monde, on prouve que combien d'ordonnances le doyen prend comme ça, déjà, depuis le doyen. Dans le monde, prouve ça seulement. Non, combien d'ordonnances le doyen prend comme ça. Parce que, bah, ça va me suivre. Et combien de juges, si j'aime écrit formel avec un délai qui arrive dans trois mois pour écrit formel. J'ai des exemples dans tête là, dossier au speed pétion. Dossier au speed pétion, je m'entendais parler de dossier ça. Non, c'est que on juge. Doyen te gagne une ordonnance pareille que lui rend déjà dans ville depuis les doyens. OK. OK. Ça veut que les seulement. Parce que la loi dit bagaille comme ça. Parce que la loi dit, il dit que moi gagne. Alors, la loi du 26 juillet 1979, là, sur l'appel pénal là, lui dit que moi gagne un temps, ni deux mois, pour que moi fasse enquête, yo, et un mois pour moi rendre ordonnance pour me voir le dossier par cœur. Un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture. Vous comprenez? À peine de prise à partie, de partie intéressée ou capable de faire contre moi. Mais c'est pas loyer, hein. Mais on va pas constater ça, frère. D'accord. Et dans les jours à venir, qui ça peuple, qui ça moun ka attend de ou, qui prochaine audition et qui date abgon l'autre audition là, parce qu'on dit nous normalement j'attends moi même m'attend là et loyer mettez un greffier à disposition moi et moi commencer frapper parce que moi te gitan a commencé lundi 10 d'abord un agenda pour lundi pour première semaine ça eh ben c'est ordonnance doyen qui fait que lui permet que bien retarder faut moins bien répondre faut moins agir sur ordonnance faut moins demander on greffier faut moins ouais bon c'est de acte qui obligé bien retarder là mais normalement tu es dans un agenda pour moi d'accord net donc merci et moi remercie tout le monde mais dernière question instruction dossier sale pas difficile ou pas sur le plan sécuritaire tout bien OK ou pas recevoir menace ou pas sous pression juge Aurélien permettre que nous pas rentrer dans question instruction du tout d'accord moi pense que yo public ça nous fait yo public et tout monde après yo tout monde après défiler monde qui a fait venir répondre question. Vous voyez, donc ça veut dire que nous avons continué sur le même lancé, nous avons fait dossier convenablement, et Jean nous devons faire l'appel, parce que pour payer ça au moins, il y a dit, bon bagage qui est fait là-dedans, bon dossier qui aboutit convenablement. Et moi, je dis que dossier ça, moi, je vais aller avec lui jusqu'au bout, et nous avons fini, la vérité a fini par triompher. La vérité. Merci à tout le monde qui t'a fait la télé. J'imagine que Gitan commence à pile bagaille dans le monde, là, juge Aurélien. Des bagailles que le grand public a pour vous. Absolument. Ah, ou Gitan dans le monde. Merci, mon ami. Merci, frère. Merci, la société. Merci, le monde. Merci à tout le monde qui t'a fait la télé. Merci, juge Aurélien. Malgré ou esquiver la question. Merci en pile. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci en pile. Mesdames et messieurs, c'était juge Gary Aurélien qui t'a parlé avec nous. Et les amis, moi-même, souvent, dis donc, pas jamais, non, on n'est qu'à parler là. Surtout Pierre Espérance. Dans le dossier Jovenel Moïse, il y en a qui disent bagaille, il y en a qui disent brigandage, et puis comme si nous prenons comme une vérité absolue. Pierre Espérance gagne un objectif. Pierre Espérance fait partie de Moïse qui détruit Jovenel Moïse. Mais vraiment, détruit citoyen. Pas penser que Pierre Espérance a cherché justice pour Jovenel Moïse. Depuis le doyen, t'es choisi juge Gary Aurélien. Après, sous demande Pierre Espérance, plusieurs nègres refusaient d'accepter de traiter dossier.
Les juges Gary Orignan ont accepté, monsieur a commencé à vous remonter. Monsieur a commencé à frapper, vous remonter. Sous juge Gary Orignan. Ça veut dire, Gary Orignan peut même, pas même mettre pied dans le pays d'Haïti, parce que dit, les doyens choisissent, il était à l'étranger. J'espère que c'était qui t'a frappé. Moi, je voulais poser une seule grande question. Qui intérêt Pierre Espérance gagné pour la faire rapport pendant juge là a instruit un dossier pour la défendre un série de monde qui à la vérité supposé répondre une question à la justice et puis pendant l'a accablé un série de l'autre. L'a chargé un série de l'autre, l'a déchargé un série de l'autre. Qui intérêt Pierre Espérance? Bien. Nous t'a capable poser tête nous question tout pour nous connaître combien cob Pierre Espérance recevra nommé citoyen ça qui gagne maison de location de voiture ça n'a parlé de Olidamus pour la faire grimace que l'a fait là pour Olidamus m'pas dit Olidamus li konon bagay m'pas dit bagay comme ça mais dans tout pays sérieux Olidamus c'est nan mel qui ont loué machine que nèg ont utilisé pour la pour tal tout président Jovenel Moïse dans tout pays sérieux Olidamus t'a répondu question la justice il était capable même passer 24 heures, 48 heures de temps en garde à vue pour la répondre une question. On juge à pestre un dossier parce que lui et les Olidamus pour le, monsieur sont protégés, puis est-ce qu'on s'est protégé, moun pas carré. Et depuis le ça, monsieur m'a rage. Même genre tout, nous t'a même connaît combien cob, puis est-ce qu'on recevra dans mes Olidamus pour que lui a frappé comme ça. Et puis est-ce qu'on son aigle. Et par exemple, on prend exemple Phantom 509. Nous pas comment Phantom 509 et Pierre Espérance t'a défendu une série de monde qui t'a supporté Phantom 509. Nous pas ça des monde qui t'a financé Phantom 509 pour te faire une série de dégâts dans Port-au-Prince. Nous pas hein, il t'a même mandat asile pour yo. À un moment donné, il faut vraiment se poser les vraies questions. Qui intéresse Pierre Espérance gain? Et Phantom 509 ça yo cité le rapport, yo parlé de l'économie, yo parlé de lui comme moun que yo t'ai utilisé pour tal truc Jovenel Moïse. Donc faut nous chercher lien yo tout. Ou gen droit pas gen contrôle juge Gary Orignan, mais ça parle dit que ou autoriser fait soit faire. Inacceptable.